de toute façon l'ambassade là, parce que je dis à population, communauté nationale, internationale, quand on voit que des milliers de monde de prennent la rue, des milliers de monde prennent la rue, et Léon Charles qui a toute responsabilité là, avec Jovenel Moïse, côté qu'on manifestation, qui n'ont pas coup, et ils voient gaz, et ils tirent sur manifestants, pendant que manifestation de grande rassemblée des milliers de monde pour aller en direction de l'ambassade là. Manifestation aujourd'hui, journée de mobilisation aujourd'hui. C'est pour dire Biden qui prend pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Que Donald Trump fait tout mandat là, l'a supporté un bande délinquant par ici, un bande vacabond, un bande voyou, un bande sans sale, qui massacre la population la Saline, Belle et Cité Soleil, Cafoufeuille. Qui viole le droit de l'homme, qui vole tout le pays, nous espérons que les Américains, avec Joe Biden, a suspendu de supporter l'assassin. Nous espérons, avec Joe Biden, les Américains, a suspendu de supporter un régime criminel. Nous... Actualité par la caille, chaque jour, problème, yo a vini plus. Militaires étrangers pral débarquer. En pile sanction pral tomber dans le pays encore. Bagayo pral de pire en mal. C'est ça en pile monde fait qu'on est selon plusieurs citoyens qui t'a popiné sous situation cap traversé en d'amboute papa de Saline. Ma content présenter une actualité pour aujourd'hui. Bonjour, bonsoir tout le monde. Mes informations nous devons connaître. Puis a opéré avec uniforme la police, Zak Sabay, en pile qu'a sauté côté population, a demandé responsable de changer uniforme là, avec mode façon y a opéré. En pile l'agent avec matériel débarqué dans Wanamet, dans dossier canal là, observateur déjà dit, yon bay plus passé 2 millions goud, selon Annie Alet, ak yon zamil qui t'a fait déclaration ça, nan miko la presse. Yon l'autre côté responsable RNDDH, yon mandé. L'État haïtien pressé, révoqué plus passer 30 juges et 5 commissaires gouvernement qui n'ont mauvais acte. Dans ce sens, rappelez l'État, Mounsayo pas inspiré population en confiance, faut qu'il repasse mais dans le système judiciaire et puis voyez à la camper loin. Tout juge corrompu ak commissaire gouvernement qui dans zak malhonnête. Qui t'aimera nous sien pour gen kouri par rapport à sanction pays Canada déjà la gen sous do pays. Majorité l'homme d'affaires ak haut fonctionnaire dans pays a dans sak passa. Directeur Unibank lan déjà rend démission. Yo fait qu'on est en pillage déjà fait fond dans Unibank. Pour gen rel kaima korel si nous t'attendez dernier détail qui sorti journée jodia dans rapport qui fait bay Karl Baron. Mette tête li en batable et le retire col tout doucement pays tant qu'au Canada force il prend démission ça parce qu'il pas capable participer dans un paquet décision qui pourra le prendre dans non Unibank pour finir sorti janvier pour arriver mois octobre selon cadre une organisation qui a fait rapport dans pays d'Haïti il fait qu'on est 900 moun déjà kidnappé 1500 l'autre qui mouri en babal bandit. Pays a continué à aller de mal en pire, ça ne pourra le vivre capi plus, tu as son pays au sérieux, pays a pral fini par engloudir nan men. Divers points ça yo, et puis l'autre encore, pral développer, rete là, pas déplacer. Mesdames, messieurs, mes nouvelles là en détail. Bandit 400 Maroso, bandit dirigé directement par la République dominicaine pour capable déstabiliser le pays et côté que pour yon bayou des armes pour yon capable déstabiliser pendant qu'il a déstabilisé, et bien, même côté a. Il y a demandé aide pour que les corps étrangers rentrent pour être capable de direction Haïti. Sans plus tarder, nous parlons de pays d'Haïti. Nous connaissons des sanctions que le Canada baille. Mais il y a plus de monde qui dit que les sanctions n'ont pas fait effet. Mesdames et messieurs, faites très attention parce que les sanctions, ça y est. Les lois, si les lois en Haïti, n'est-ce pas de supposer même temps de parler de eux, non? Mais, par contre, oui, sanctions, yo, gagnent un côté que les sanctions menées. Sanction yo retiré en pile nèg devant classe politique là. Sanction yo retiré en pile nèg la classe politique là. Et des institutions en Haïti tout sous des sanctions qui se nomment sous nom ou pas Canada tout. Mais par contre, peuple haïtien pour qu'on utilise sanction. Peuple haïtien pour qu'on rentre la cadre sanction. Ça peut tarder de nous rentrer directement dans le pays d'Haïti avec un journaliste, non, Yves Just. Yves Just, vous-même, comment y est l'actualité? Il y a une information qui lague en pile courir dans la République, là. Que ce soit dans le secteur
bancaire là, que ce soit dans le secteur populaire là. Parce que en pile haïtien qui est comme dans Unibank, en pile haïtien mettez l'argent dans la banque ça. Et bien, je dis, par rapport avec sanction, pays Canada, Tebay, Karl Bouaon, qui c'est président conseil Unibank là, et bien finalement, je dis, Karl Bouaon décide démissionner comme président conseil Unibank. Parce que, il y a une réunion qui a fait dans le secteur bancaire là, dans le pays Canada, Karl Bouaon n'a pas participé là-dedans. Il y a plusieurs banques menacé pour ta retirer partenariat avec Unibank. Et bien, par rapport avec ça, Karl Bouaon lui-même, qui senti si Unibank perdu partenariat ça, il est capable en faillite total capital en deux pays, et bien, il est obligé de retirer tête li comme président conseil banque là, yon façon pour partenariat capable de continuer en deux banques. Nous prenons directement dans un rapport que CAD mettait dehors. CAD qui c'est cellule observation contre criminalité. Dans le rapport ça, CAD mettait dehors, il fait qu'on est en total 900 personnes qui ont kidnappé sorti janvier pour arriver octobre côté nous là. Ça coûtait 1560 personnes qui perdent la vie en deux pays. Dans ce sens, directeur exécutif cadre là, Gédéon Jean souhaitait que l'État central prenne responsabilité parce que la situation a plus dégénéré chaque jour qui vit plus si l'État lui-même n'a pas dit un mot dans ce qui a passé là. Dans la zone Balatibonite là, Action Mondiale remonté à 83% contrairement à mois passé. Dans plusieurs zones encore dans le pays, Action Bandio multiplié. Cependant, la police a été impuissante face avec Action Bandio. C'est dans ce sens que Maître Gédéon Jean souhaitait que le commandement de la police, la CSPN, prenne responsabilité pour que, une fois pour toutes, il arrive fini à la question insécurité dans le pays. Nous prenons directement dans le pays Burkina Faso. Eh bien, la France a connu un vieux mouvement dans plusieurs pays en Afrique. Si hier, dans le pays Niger, tous les Français ont commencé à quitter et ont demandé avec responsable Nations Unies pour quitter le pays, eh bien, je dis, dans le pays Burkina Faso, il y a un boulevard dans le pays Burkina Faso qui était le boulevard Charles de Gaulle. Eh bien, je dis, le peuple Burkina Faso a décidé de changer de nom. Pour lui, en parler là, boulevard Barélé, boulevard Charles de Gaulle encore. Boulevard Elé, boulevard Thomas Ankara. Wow. C'est jet militaire dirigé transition PIA qui décide de changer non ça. Yon façon pour montrer toute hostilité face à pays la France. Nous prenons directement dans le pays Salvador par rapport avec les deux villes potées bon côté gouvernement. Pays Salvador là, deux villes ça qui pote plein ça, c'est Apopa et puis Soyapango. C'est deux villes ça dans pays Salvador qui décide à poter administration Nayib Bukele à plein par rapport avec remonter gang qui sorti pour faire dans deux villes ça. Eh bien, gouvernement Nayib Bukele a pas de temps pour déployer 3500 militaires salvadoriens dans deux villes ça et puis 500 policiers. Déploiement ça fait, c'est un souci pour capable continuer à créer opération, yon manière pour dans qui mesure yon capable river freiner toute action bandit dans le pays Salvador. Cependant, président pays Salvador là, Nayib Bukele, fait qu'on est, nous pas suspendre bataille pour nous kembe dernier mec qui n'a gang dans le pays Salvador là. N'a continué opération dans tout pays à net. Pour nous capables d'arriver à arrêter tout le monde qui comprend nos cavines cimées, la troublaille dans le pays Salvador. Faut que Salvadorien soit capable de vivre dans toute quiétude sans que vous ne vous sauter. C'est ça que le président Salvador, Nayib Bukele, déclare aujourd'hui concernant remonter le phénomène brésilien qui a évolué dans le pays Salvador. Bon côté parle, directeur général ULCCA, Jacques-Hans Ludwig Joseph, fait qu'on est.
corruption engendré violence, troubles sociaux, li augmenté conflit et instabilité dans une société, trafic d'armes qu'a fait sous frontière là, c'est conséquence corruption ça qui la cause foyer gangyo continuer à multiplier en dans pays d'Haïti. Yes. Par rapport avec ensemble zak bandio a commettre avec uniforme la police dans pays a dernier année ça yo et bien gagne responsable dans niveau syndicat national policier haïtien tout monde connaît son nom Sinapoa qui écrit avec recommandement la police là pour que au mandé pour ta modifier uniforme policier yo lorsque yo mette yo qui tag dans uniforme policier yo qu'a permettre petit bon policier arrive sur vous nous finit pas identifier Lionel Lazare qui c'est coordonnateur général Sinapoa ouais des trois uniforme police dans la rue changer uniforme police là deux jours trois jours encore bandio a gagné parce que bandio gain connexion en de police là dans ce sens Lionel Lazare suggéré à recommandement la police là pour que yo mettez un accessoire unique sous chaque green uniforme policier yo yon manière lorsque citoyen yo croisé avec un policier pour capable connaître c'est vrai policier que lié équipe ami alert là qui est là-dedans Michel Hilaire qui c'est PDG sans investigation sécurité dans Canada bail matériel à manger qui évalué à 2,5 million goud pour canal là. Ça veut dire bien manger avec matériel qui évalué en 2,5 million goud que équipe Ani Alet là décide de faire moun kap travail dans canal yo cadeau. N'a continuité dans dossier canal là, fois ça me aller directement aux États-Unis parce que canal là lui-même c'est tout côté la palais. Jodi an te gen yon réunion nan OEA qui c'est organisation état américain. Tout le monde connaît clairement qui est qui représente Haïti nan OEA. C'est ancien directeur général police là qui relé Léon Chol. Eh bien nan réunion ça Léon Chol dit clairement que Haïti gen droit même gens à République Dominicaine pour exploiter l'eau qui séparé Zileo. Ancien directeur général police là, rappelé autorité dominicaine yo, te construit tout compte yo 12 canals sous rivière Massacre là. Sans yo pas mettre Haïti au courant. Eh bien, si Léon Chol fait déclaration ça, des responsables dominicains dans OEA, qui c'est Roberto Alvarez, monsieur lui-même tout, monsieur parler. Monsieur dit clairement que construction canal, sous bon pas Haïtia, li capable affecter et puis endommager territoire dominicain. Li dit, une raison qui fait travail illégal, c'est parce que gouvernement haïtien pas dit ça avant. Par cette déclaration, représentant République dominicaine, l'OEA, qui c'est Roberto Alvarez. N'a continué toujours été dans quatre dossiers canal là. Eh bien, selon gouvernement pays d'Haïti, qui est dirigé par Premier ministre de facto Ariel Henry, a gagné un possible réouverture frontière Haïti avec ce domaine. Sinon, notre gouvernement mette dehors, il dit clairement que marché binational là capable de retourner commencer entre Haïti et ce domaine. Mais, faut que toute discussion chita sous table là. Faut que République Dominicaine connaît clairement que doit nous gagner comme pays pour nous exploiter rivière Massacre là. Faut que République Dominicaine connaît clairement que yo pas doit continuer à humilier Haïtiens la façon y a humilié là. Faut que République Dominicaine respecte l'accord 1929 qui était signé en deux pays yo. Qui te dit clairement que deux pays sont capables d'exploiter rivière là. Faut que la République dominicaine pas comprendre. À n'importe qui est, il est capable de faire mes frontières sans que pas consulter
autorités haïtiennes. C'est ensemble de barème ça que le gouvernement haïtien mettait sous table là, si toutefois autorité yo nan pays phénomène ta vle marché binational là retourner fonctionner correctement. Responsable nan réseau national défense cap défendre droit moun andan pays a RNDDH obligé écrit avec autorité yo nan l'état pour mande yo qui sa y attend pour retirer 30 magistrats que CSPJ pas certifié dans la dernière certification liée. Ça veut dire RNDDH dit clairement que il y a 30 juges qui pas de bonne moralité qui continueraient en dans le tribunal. Sans compter 5 commissaires gouvernement qui ont même dans la question droit qui continueraient dans cette paquet comme commissaire gouvernement. Responsable au niveau RNDDH dit clairement que les CSPJ a fini certifié magistrat, pas de aucun recours selon loi qui organisait CSPJ. Dirigeant RNDDH, quoi? Autorité dans le ministère de la Justice doit prendre responsabilité pour retirer 30 juges qui pas certifié dans le système judiciaire là, et puis 5 commissaires gouvernement, yon façon pour société a capable d'inspirer confiance de système judiciaire pays. Nous prenons la question dossier l'église épiscopale. Si juge instruction Martel Jean-Claude rend ordonnance li 22 septembre qui passe là, pour le dire clairement que bien des monde que on doit libérer rapide vide dans le dossier trafic illégal d'armes de paix. Et qu'il y a un tout que le juge l'envoie devant le tribunal correctionnel et devant le tribunal criminel. L'envoie devant le tribunal correctionnel, ça veut dire, je peux arriver dans le tribunal là, le juge a dit, allez, pas faire ça encore. Comme vous êtes commettre un délai, pas faire ça encore. Ça veut dire, c'est un tribunal qui au moins corrigé les dérives. Le tribunal criminel là, c'est tout dit clairement que c'est criminel ou yé, mais qui sort de jugement qui lui attribue avec vous-même. Et bien, je dis là, commissaire gouvernement Port-au-Prince là, M. Edler Guillaume, interjeté appel dans le cadre ordonnance juge Martel Jean-Claude là. Lorsque commissaire gouvernement interjeté appel dans le cadre d'une ordonnance qu'on juge rend, c'est parce que commissaire gouvernement senti qu'un bagage qui louche dans l'ordonnance juge là. Comme commissaire gouvernement, lui premier avocat société là, et lui c'est chef de la poursuite, lui obligé faire des marches pour porter la cour d'appel pour lui interjeter appel. Et lorsque lui interjeter appel, c'est sûr que lui tout dit ordonnance, lui pourra entrer en fond, lui pourra appliquer parce que si pour ordonnance appliquer, faut que la cour d'appel file prononcer sous ça avant. Ça veut dire, moun que jugement de Jean-Claude demande pour libérer l'ordonnance liée, moun ça. Et parce que le commissaire gouvernement Port-au-Prince a décidé d'interjeter appel dans le cadre de dossier-là. Exact. Et juste parce que là, nous jeunes une vidéo pour nous. Côté qui est blanc, ça, qui tape, c'est mêlé, eh bien, en pile, par en pile, en Haïti, surtout, et qui devine menacer le commissaire Richemont. Eh bien, côté que commissaire Richemont, te fait un vous vap sous blanc sans attendre. Eh bien, maintenant, nous connaissons le pays. Eh bien, blanc, ça t'est en Haïti, avec, normalement, pendant plus que 13 l'année et plus. Et nous connaissons selon la loi, ou pas qu'à dépasser un an, même si vous citizen dans le pays, ou pas qu'à dépasser un an. Mais Haïti, son pays, pour l'ailleurs, comme yo dit, ou rentre ou ka kite l'ovle, ou se mette tout, c'est ou même qui mette tout. Et nous devons t'y garder et tendre avant tout. Et nous devons connaître ce qu'on dit mot de la fin pour que le peuple soit capable de coûter ça et qui passe là. Et mais maintenant, eh bien, yo retire pour retourner à la Kaili, qu'il n'est pas capable de tourner à Haïti encore. Même j'en ai même, nous devons voir moun tourner la Kaili, eh bien, Haïti maintenant a déporté blanc tout en deux pays. Et juste,
Et là, on a une trentaine de secondes qui sont pensées des situations hein, côté que l'homme n'a qu'à vivre illégalement, n'a pas dire clair et naître illégalement en deux pays, mais après arrestation, l'État, mais il a lâché. Ou pas arrêter un monde qui est illégal, cela veut dire que soit arrêter mon nom, li pa gagne papier légal là même pendant toute année ça yo a vivre dans pays sans papier yo pas reconnaître en dans pays ou arrêter en plus ou la gueule elle tourner vin bail de parole piment bouc là nous arrêter ça veut dire que vraiment immigration la caille nous pas en fonction il juste moi crois que ici au Canada après tant d'années moi même t'al vivre sans papier sans pas moi illégal parce après un an moi pas légal dans pays hein. si moi même moi pas gagne papier après 6 mois moi pas légal mais si on prend moi pas quoi qu'on parle la game est-ce que t'es la guerre à cause qu'ils sont blancs mais qu'est-ce qui passe immigration est-ce qu'il y a immigration en Haïti qui sont passé de ça est-ce que Kounia après qu'elle vienne faire dérive yo reprend encore puis là maintenant yo vienne déporter qui sont ouais à propos de ça juste effectivement bon ça nous gagne information mais merci pour l'appel là. Je dis là, c'est comme quoi que, en pile monde question à poser, est-ce que c'est pas la première fois yon action qu'on s'est passé en Haïti pour que l'autorité haïtienne déporte yon Américain? Eh bien, Américain, ça a qui fait Brenton Norton, monsieur lui-même, lui, c'est qu'on a participé dans toute manifestation au Caillou. Les gens qui ont participé à la manifestation au Caillou, nous serons des paroles acides, la plagué à l'égard de l'autorité, les gens qui ont participé à la manifestation. Le commissaire gouvernement au Caillou, Ronald Richemont, est prêt à arrêter monsieur pour la première fois. Après 15 ou bien 22 jours, il est prêt à faire des marches pour monsieur, il est plagué Robert Brinton Norton. Eh bien, malgré qu'il est plagué monsieur, c'est comme quoi que. Ça pas dit rien, il te continue à lancer parole piment bouc à l'égard de l'autorité dans le pays et dans le gouvernement tout. Et le commissaire gouvernement au cas là, c'est pour retourner arrêter Robert Brenton Norton encore. Et bien après plus passé 2 mois à 3 mois en de prison, je dis le commissaire gouvernement au cas là, débarqué dans l'aéroport Antoine Simon avec Robert Brenton Norton, qui lui-même fait américain. Qui passe 13 ans dans le pays, 4 fois le fini, aucune pièce identité n'est pas valable dans le pays, et le commissaire gouvernement dit, il est obligé de faire procédure pour le déporter, monsieur, dans le pays États-Unis. Et bien, Robert Brinton Norton, commissaire gouvernement, c'est pas la charge là, pour le payer, premier vol, Sunrise Airways pour lui, pour mettre dans la capitale haïtienne, après ça, pour le décapant. Vol American Airlines pour mettre dans le pays tout ensemble, côté de sortie. Et comme ce gouvernement au cas là, Ronald Richemont, dans la déclaration fait, pendant qu'il a déporté Robert Brenton Norton dans le pays États-Unis, il dit clairement que quel que soit étranger qui entre dans le pays, le comité gouvernement qui a dirigé juridiction étranger ça, automatiquement étranger ça, caca coubé en bas la loi, l'a interféré dans la question politique pays. Yo doit arrêter le tout, déporter le pays correctement. Et juste, moi-même, moi remets ça. Et ça, c'est la première fois, ça s'est fait. Jusqu'à maintenant, depuis vivre. Bon, non, c'est pas la première fois, parce qu'il y a des présidents qui déjà fait déjà, et qui même voulaient faire gros correction. Mais au moins, le moment par nous, c'est la première fois, ça arrivé, la carrière, et juste. Effectivement, lorsque yo à déporter mon lacayo, yo pas prend en compte aucun problème qu'on gagne. Ça veut dire, yo dit ou pas légal, yo déporté ou. Et je dis, un homme américain, pas qu'à connaître la entrée là, pour que la mine entre dans la question politique pays, la joue mon casse par là, ça veut dire, c'est comme quoi que les gens savent, monsieur, ils veulent salver. Et je dis, un commissaire au navigement, tracez un exemple clair sur monsieur. Côté que le déporté monsieur dans le pays pour que le pas jamais fait ça encore. Et quel que soit étranger qui comprenne pour le temps entrer là, pour lui faire même action pareil là, il n'y a pas bon menti, il a subi même ça là. Mais on a question à poser. On a question à poser. Pour qui ça?
il y a une équipe étrangère de pays qui a banvité, nous pas prendre même chemin ça avec étranger ça yo. Pour qui ça quoi qui organisation internationale de pays a qui comprennent c'est officiel champion de pays a je pas jamais prendre décision pareille pour faire même ça pour organisation yo. Est-ce que c'est parce que Brenton Robert Lotte lui-même lui bon gros américain gros plume qui la cause que je dis déporté. Et deuxième bagage pour regarder la question de déportation Robert Brenton Lotte là. Très bien, commissaire a dit, passeport monsieur fini, depuis 13 ans là. Nous avons un bout de pièce sous lui. Je dis, il est entré aux États-Unis. Pour qui ça, je dis, nous devons dire Philippe. Philippe. Quoi t'es Philippe? Nous devons dire Philippe. Quoi t'es Philippe? Nous devons dire Philippe. Sans que, lui passe un passeport, malgré nous avons une communauté pièce lui, lui passe un passeport, nous allons voir le tourner. Quoi t'es Philippe? Parce que je dis là, c'est pas ingérence ça, qu'a continué. Bon côté pays États-Unis. Voilà.